Bonjour à tous, merci Rita. Je comprends à ton signe que je dois prendre la parole. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés. Je crois que vous êtes plusieurs centaines, vous êtes nombreux. Donc merci. Merci aussi à tous ceux qui ont vu le film Les Pépites. Je suis ravie que vous l'ayez découvert. C'est pour ma part un film que j'aime beaucoup. On m'a demandé de me présenter très rapidement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle Giordano. Je suis passionnée de cinéma. Le cinéma a changé ma vie et j'aime faire partager cette passion. Par ailleurs, je suis journaliste. J'ai créé aussi, il y a 13 ans, une association qui s'appelle Cinéma pour tous, qui fait justement partager la passion du cinéma. Et puis, je suis très engagée aussi auprès de l'Institut de l'Engagement et j'essaye de ne pas rater une université d'été. Je suis vraiment ravie de partager avec vous ce moment, puisque une e-projection et un e-débat, pour moi, c'est très nouveau. Et je pense que c'est nouveau pour beaucoup de gens dans le monde du cinéma et puis également pour tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir converser, discuter, débattre autour du film que vous avez vu. Et puis, je voudrais surtout vous présenter Xavier de Lausanne. Il est donc le réalisateur du film Les Pépites. Mais surtout, je voudrais vous dire que Xavier de Lausanne, c'est quelqu'un qui est un passeur. C'est un réalisateur et un passeur. C'est quelqu'un qui veut changer le monde à sa manière avec des images. Je suis ravie aussi qu'il puisse vous parler du projet qu'il est en train de monter, qui est un film sur la mère de Raqqa, qui est une femme. Kurde, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. On a même un petit cadeau à vous offrir, on va vous montrer des images en avant-première. Mais avant tout, Xavier de Lausanne, il essaye de raconter des histoires qui peuvent avoir un impact à la fois sur les spectateurs et sur la société. Et ça, je trouve que c'est une démarche intéressante quand on décide de faire du cinéma. Pour moi, et je vais lui laisser la parole dans un petit instant, Xavier de Lausanne, c'est aussi quelqu'un qui sait raconter une histoire. C'est toute la différence entre un reportage, un documentaire et un film de fiction. À chaque fois que vous êtes face à un écran, que ce soit dans une salle de cinéma, c'est bien sûr beaucoup mieux, ou devant votre petit écran, mais c'est vrai qu'il y a mille façons de raconter une histoire. Depuis qu'on est tout petit, en fait, quand on est bébé, on adore avoir quelqu'un qui nous raconte une histoire. Ben, ce n'est pas la même chose quand on vous raconte un reportage, qu'on peut voir par exemple au journal télévisé, et Dieu sait si en ce moment on en voit des reportages, c'est pas la même chose quand on vous raconte une fiction et c'est pas la même chose quand on vous raconte un documentaire. Donc la capacité pour un réalisateur de pouvoir attirer le regard de quelqu'un et son attention et vous amener justement à rester attentif comme vous l'avez fait pendant une heure et demie pour regarder Les Pépites, avec un début, un milieu, une fin, avec une trame, un scénario, même si c'est pas une fiction, ça je trouve que c'est une démarche très intéressante. Et si en plus ça vous bouscule un peu, ça vous émeut et ça vous donne envie de vous aussi changer les choses, ben c'est, voilà, c'est encore un supplément d'âme, c'est encore un petit plus. J'ai déjà beaucoup trop parlé et je vais laisser la parole à Xavier de Lausanne, donc le réalisateur des Pépites, qui est en ce moment au Cambodge. Xavier, pour nous situer un peu les choses, tu peux nous dire quelle heure est-il au Cambodge? Et tu nous as déjà dit qu'il faisait 38 degrés. On va en savoir plus sur ta vie en ce moment au Cambodge. Et bienvenue à tous pour ce débat. Bonjour à tous et je suis très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci vraiment à l'Institut de l'Engagement, à Marc Germanang et à Isabelle Giordano de présenter mon film Pépite. C'est toujours un grand plaisir pour moi de voir qu'un film comme celui-ci puisse continuer de vivre. Voilà, et je suis vraiment très heureux depuis le Cambodge, où j'habite, où il est exactement 20h54. Je suis très heureux de répondre à toutes vos questions. Voilà, je suis disponible. Alors, moi, je n'entends pas Marc. Pardon, on ne m'entendait pas. Voilà. Donc, je, pour le moment, il y a surtout un déluge de qualificatifs avec des lauréates et des lauréats qui disent leur ressenti et leur émotion après avoir regardé ce film. Et je ne fais que citer quelques mots incroyables, magnifiques, génial, touchant, bijoux, sublime, inspirant, tristement beau. J'ai pleuré plusieurs fois, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. À l'évidence, beaucoup, beaucoup d'émotions en voyant ce film. Et puis là, les premières questions arrivent, et des questions notamment sur est-ce que le Cambodge est touché par le Covid?
Alors, le Cambodge est touché par le Covid, comme tous les pays, tous les autres pays, mais il l'est peut-être un peu moins, du moins officiellement, puisque officiellement, nous avons 122 cas détectés et aucun décès. Voilà, ce qui est très peu comparé à d'autres pays. Alors, il y a toujours un doute entre les chiffres officiels et puis les chiffres officieux, ce qui se passe dans la réalité. En tout état de cause, on essaye d'avoir quelques explications sur cette différence. Il faut savoir que le Cambodge est un pays où la population est extrêmement jeune. C'est un pays qui est très rural aussi. Et c'est un pays où il y a relativement peu de concentration urbaine, puisqu'il y a très peu de transports en commun, il y a très peu de très gros centres commerciaux. Voilà, c'est peut-être une des explications, puisque c'est un pays qui fait chaud, mais ça, rien n'est prouvé sur la chaleur. Donc, c'est peut-être quelques explications sur le fait que nous ayons relativement peu de cas. Mais en tout cas, tout le monde reste très prudent. Les Asiatiques sont très habitués à porter des masques dès qu'ils sont malades. Donc, ici, les gens continuent de porter des masques. Et puis, il y a une distanciation sociale qui est respectée et aussi une autorégulation sur la question du confinement. Il n'y a pas d'ordre de confinement, mais il y a beaucoup de sociétés qui ont fermé, beaucoup de commerces qui ont quand même fermé. Les gens restent très prudents. Des questions sur la difficulté ou non à recueillir les témoignages qui ont permis la construction du documentaire. Oui, alors le documentaire, effectivement, se repose beaucoup sur les témoignages. Ça, c'était très important. En fait, l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce film, c'est qu'il y avait un stock d'archives assez hallucinant. La raison de ça, c'est que Christian aimait beaucoup l'image. Et donc, dès qu'il a créé l'association, déjà, il avait communiqué, comme vous avez vu, il faisait des tours du monde avec sa famille dans un camping-car. Et à chaque retour du monde, il faisait des diaporamas, il communiquait beaucoup là-dessus, il était invité sur des plateaux de télévision, donc il avait besoin d'images. Et dès qu'il a créé Pour un sourire d'enfant, ça correspondait aussi au début de l'apparition des caméras DV. Il s'est tout de suite emparé de ces instruments pour pouvoir communiquer. Et en fait, le financement de l'association reposait sur les tournées qu'ils faisaient en France, avec toujours leur camping-car. Et donc, il fallait montrer un film. Et dès le début, donc dès 1996, ils ont commencé à filmer et à montrer ces images aux gens. Voilà, donc il y avait un stock d'images très important et avec des témoignages qui étaient extrêmement forts, par moments très violents. Et donc, pour moi, c'était une des raisons qui validait le fait de pouvoir faire ce film. Et la question des témoignages, de recueillir des témoignages, ça, à partir du moment où il y a un climat de confiance qui s'installe, on peut les obtenir. Et ce climat de confiance, en fait, il s'est rapidement installé parce qu'il m'était amené par Christian et Marie France. Donc, quand Christian et Marie France validaient le projet, ont validé le projet et ont, avec moi, demandé à certains s'ils étaient d'accord pour témoigner, ces personnes-là étaient évidemment en pleine confiance. Puis en plus, c'est des personnes qui faisaient vraiment partie intégrante de l'histoire de PSE. Voilà, donc ça s'est vraiment fait finalement assez facilement. Là, prolonge la question de Mylène en se demandant comment vous avez fait pour prendre tous ces bouts de vie et en faire une histoire. Alors ça... c'est un travail de longue haleine qu'on a fait avec Florence Ricard, qui est ma monteuse, avec qui j'ai travaillé. Et ça, c'est toute l'importance aussi d'avoir une bonne et belle collaboration avec un ou une monteuse, un monteur ou une monteuse. Parce que les documentaires comme ça, il y a une intention de départ, il y a une envie de départ. Mais on sait, le film, il se construit finalement beaucoup plus au montage qu'au tournage. Au tournage, on a des idées, on essaie d'appliquer ces idées, de filmer ces idées, mais après, on se retrouve avec des stocks d'images qui sont très importants, surtout que moi, j'avais plus d'une centaine d'heures d'archives à trier, plus de 60 heures d'images filmées. Donc, vous vous retrouvez devant un stock d'images énorme. Et donc là, devant tout ça, on se dit effectivement comment on va raconter son histoire. Et il y a toujours plein de façons
de raconter cette histoire. Et elle peut paraître assez évidente au final, mais au démarrage, en fait, elle ne l'est pas du tout. Et je n'avais pas forcément, au départ, je me suis posé toutes les questions. Et ce que je voulais faire, en tout cas, c'est vraiment montrer le lien qui existait entre Christian Narré-France et ses enfants. Mais je ne savais pas si finalement j'allais démarrer l'histoire sur un enfant, des enfants qui m'amènent à Christian Narré-France. C'était un peu l'idée de départ. Mais en fait, je me suis rendu compte que, enfin, avec Florence, on s'est rendu compte que ceux qui portent le projet, c'était Christian Narré-France. Et puis en plus, moi, je suis français. Je m'adresse majoritairement à un public français. On a besoin de s'identifier, évidemment, à des personnages. Et c'était plus évident de s'identifier à Christian et Narré-France, qui, eux, étaient nos passeurs pour nous emmener aux enfants. Voilà. Donc, l'idée, c'était de raconter vraiment l'histoire de Christian et Narré-France et eux qui nous emmènent à la rencontre de ces enfants. Et puis, ces enfants, on a évidemment choisi ceux pour lesquels on avait des images d'archives où on pouvait les voir au début sur la décharge, en train de fouiller sur la décharge, et ensuite les voir aujourd'hui dans leur vie. Camille s'étonne du lien à l'évidence très très fort entre Christian Narré-France et les enfants, et le fait qu'il ne semble pas parler clair. Oui, ça, effectivement, c'est une question juste. Christian et Narré-France, ils sont arrivés au Cambodge. Christian, il avait 57 ans, il était en pré-retraite. Et quand il a démarré PSE, il avait à peu près 60 ans. Voilà. Et ils ont beaucoup voyagé, mais ils n'ont pas eu forcément la culture de la langue. Et se mettre à apprendre une langue à 60 ans, déjà, c'est moins évident. La deuxième raison, en fait, c'est la Kena. Vous avez vu la Kena dans le film, qui est aujourd'hui leur fille adoptive, et elle est d'ailleurs aujourd'hui à la direction de PSE. Et en fait, la Kena est une fille absolument extraordinaire qui a eu une vie, une enfance extrêmement douloureuse. Et en fait, quand elle a rencontré Christian et Narré-France, elle s'est tout de suite accrochée à eux et elle les a tout de suite suivis dans toutes leurs actions. Et sur la décharge, l'école, etc., etc. Et en fait, curieusement, elle a appris le français extrêmement vite, en autonomie totale, en associant des mots, en essayant de les comprendre. Elle avait une telle envie de comprendre Christian et Narré-France, une telle envie de s'accrocher à eux, que du coup, elle s'est mise à apprendre le français, à parler le français très vite. Et en fait, eux se sont naturellement beaucoup reposés sur la Kena, puisqu'elle était tout le temps avec eux, et elle faisait la traduction 24 heures sur 24. Voilà. Donc, du coup, l'un dans l'autre, ils ont appris un peu le cambodgien, mais ils n'ont jamais parlé vraiment couramment le cambodgien. Et puis pour les enfants, vous savez, comme vous voyez dans le film, tous les soirs, ils viennent les voir et tout. Et pour les enfants, c'était toujours très important de parler des petits mots de français ou même de parler des mots d'anglais, etc., pour leur montrer qu'ils étaient attachés à eux. Donc en fait, naturellement, il y a une espèce de dialogue qui s'est instauré comme ça entre eux, majoritairement en français. Je vais lire deux commentaires. Mathieu dit « Je me demande si le plan sur les deux enfants questionnés sur leur souffrance passée jusqu'à en pleurer était nécessaire. » Et puis, par ailleurs, je n'ai pas retrouvé le commentaire, mais un commentaire d'une lauréate qui, elle, disait « Comment faire un film aussi... touchant sur des situations aussi terribles sans tomber dans le pathos. » Oui, alors ça, c'est vraiment une question extrêmement intéressante qui est vraiment au cœur du film et au cœur de beaucoup d'interrogations qu'on a eues avec la monteuse. C'est-à-dire, jusqu'où on peut montrer les choses, quelle est la limite dans l'exposition de la souffrance. Moi, il y avait une chose... en tout cas qui était importante pour moi, c'était de ne pas sous-estimer la souffrance de ces enfants, qui était une souffrance réelle, qui a réellement existé. Donc, on a du mal à se rendre compte à quel point elle était difficile, elle était dure. Et voilà, il ne voulait pas sous-estimer. Après, il y a une très, très grande différence entre
le fait d'exposer une souffrance, de faire peut-être un sort de travail journalistique là-dessus et de ne pas apporter de réponse. C'est-à-dire que quand vous exposez une souffrance, vous n'apportez pas de réponse, vous laissez les spectateurs face à eux-mêmes avec un peu comme un sentiment de culpabilité. C'est un peu une accusation. On va regarder cette souffrance et point barre. Là, on est dans un système qui est complètement différent, où on apporte une réponse, en fait, à cette souffrance. On met quelque chose en face. Et quelque chose en face, c'est l'association, c'est l'histoire de Christian Marie France. Donc, à partir du moment, et je pense que les spectateurs, et c'est le pari qu'on s'est fait avec Laurence, c'est de se dire, à partir du moment où les gens comprennent dès le début qu'on apporte une réponse à cette souffrance, c'est que le film ne s'arrête pas, en fait, sur cet aspect extrêmement anxiogène, mais que le film, entre guillemets, va vers la lumière, on peut aller assez loin, en fait, dans l'exposition de cette souffrance. Voilà. Et ceux qui livrent leur témoignage très dur, on les voit aujourd'hui. Ce que je voulais pas, justement, c'est de montrer, en fait, de faire parler des enfants, parce qu'on avait des archives extrêmement difficiles, mais de faire parler des enfants dans les archives et de ne pas les voir aujourd'hui. Voilà. Tous ceux qui parlent et qui exposent leurs souffrances, on les voit aujourd'hui, on voit ce qu'ils sont devenus. Camille note que le film est un magnifique exemple de la façon de montrer le travail que font les ONG humanitaires, et elle précise les ONG humanitaires des années 90-2000, elle souligne qu'elle aurait aimé un regard peut-être un peu critique et peut-être inspiré des mouvements et de la pensée décolonialiste et de s'interroger sur davantage le point de vue des bénéficiaires de l'aide et d'une aide qui est quand même une aide internationale. Oui, alors là aussi, c'est ce qui fait... En fait, ça, c'est une question de genre, on va dire. C'est ce qui peut faire la différence entre un documentaire un peu journalistique qui documente et un documentaire plus cinématographique qui raconte une histoire. Ça, moi, c'est le parti pris que je prends, c'est-à-dire que je voulais pas faire une enquête, je voulais pas faire une analyse, en fait. C'est un autre réalisateur aurait peut-être fait ça, aurait peut-être décidé de prendre cette histoire, en fait, et de faire une analyse de cette histoire, de poser le pour, de poser le contre, et de la placer dans un contexte géopolitique global. Ça aurait été tout à fait possible. Mais c'était pas mon parti pris, c'est pas ce que j'ai décidé. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer à quel point une rencontre émotionnelle, une rencontre entre un homme et une femme et des enfants, et des jeunes enfants qui vivent une situation très difficile. Et que, en fait, à quel point cette rencontre provoque un choc émotionnel extrêmement fort, extrêmement violent, et que c'est ce choc émotionnel qui va rayonner, en fait, jusqu'à la création d'une œuvre qui devient immense et extrêmement importante. C'est ça qui m'intéressait. Et donc, il fallait que je pour raconter ça, ben, il fallait rentrer dans l'histoire de ces gens-là, dans l'histoire de Christian et Marie France et dans l'histoire des enfants. Donc, c'est vrai que le film ne repose pas sur la distanciation et sur une analyse. Non, c'est un film qui repose uniquement sur l'histoire des personnes. Et c'est à travers l'histoire des personnes que moi, je ne juge pas, en tout cas, je ne fais que la regarder et l'exposer avec mes moyens à moi. Et après, à chacun, en fait, de recevoir cette histoire et de la placer dans un contexte plus global et de faire ses propres recherches, justement, et ses propres analyses. Isabelle, je sens que tu brûles d'intervenir. Je trouve intéressant cette réflexion sur qu'est-ce qu'on montre de la réalité, jusqu'où ça va, jusqu'au pathos ou pas, et qu'est-ce qu'on s'interdit de montrer ou pas. J'ai trouvé intéressant quand même de voir qu'il y avait plusieurs questions dans ce sens. Est-ce qu'il faut filmer en gros plan les gens qui pleurent ou pas? Est-ce que, Xavier, tu t'es interdit de filmer certaines choses? Est-ce que tu t'es auto-censuré? Non,
je ne me suis pas interdit de filmer quoi que ce soit. En tout cas, au tournage, je ne me suis pas interdit de filmer quoi que ce soit. C'est toute la matière, je voulais vraiment l'avoir ou ensuite la pétrir. Si on n'a pas la matière de base, comment pétrir quelque chose qui a un peu de consistance et qui soit intéressant? Voilà. Donc, au tournage, et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas besoin de m'interdire grand-chose puisque j'étais avec Christian et Marie-France, j'avais leur validation. J'étais avec des gens qui me connaissaient parce que il se trouve que Christian et Marie-France, je les connaissais depuis un certain temps. PSE est une institution que j'avais fréquentée plusieurs années auparavant. Donc, je les connaissais, ils me connaissaient. Donc, je pouvais aller où je voulais. Et après, les gens, ils pouvaient me dire non, j'ai pas envie d'être interviewé, ou oui, j'ai envie d'être interviewé. Mais il y avait très, très peu de barrières au tournage. Après, au montage, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des images qu'on n'a pas montrées. Il y a des archives qu'on n'a pas montées, qui étaient extrêmement, des témoignages extrêmement durs, des témoignages extrêmement violents, et qu'on s'est refusé avec la monteuse à monter. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'avait rien à mettre en face. On avait qui sont partis dans leur vie, que je n'ai pas forcément retrouvés. Donc, je ne pouvais pas les filmer dans leur vie aujourd'hui. Je ne pouvais pas voir s'ils s'en étaient sortis ou pas. Puisque on peut bien imaginer que dans ce nombre d'enfants, il y en a qui s'en sortent, mais il y en a qui ne s'en sortent pas. C'est exactement la métaphore qu'il raconte à la fin avec l'histoire de ce tableau et ces oiseaux qui s'envolent dans le ciel. Non, ces feuilles, pardon, qui sont emportées par le vent et qui s'envolent dans le ciel. Et la fille qui a fait ce tableau-là, elle a dit, ouais, j'ai laissé des feuilles dans la boue parce qu'il y en a qui portent une histoire tellement dure qu'en fait, ils restent englués dans cette boue et ils n'arrivent pas à s'envoler avec le vent. C'est une réalité, voilà. Donc, il y a certains témoignages, oui, que je n'ai pas montré à cause de ça. Lucille se demande, et d'autres lauréats avec elle, comment vous avez rencontré Christian et Marie-France? Alors, Christian et Marie-France, je les connaissais effectivement depuis un petit moment. En fait, il se trouve que mon premier métier, le cinéma n'est pas mon premier métier. J'ai fait une école hôtelière, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant un certain temps. Et j'ai travaillé à Hanoï, au Vietnam, pendant 3 ans sur un projet de restaurant pour des gens en difficulté. Et j'ai fait une étude pour une association au Cambodge en 2000 pour monter une formation hôtelière pour destinée aux jeunes issus de milieux défavorisés. Et donc, je démarchais toutes les associations au Cambodge pour savoir quels étaient leurs besoins en formation professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Christian et Marie-France et PSE, en fait, qui, à ce moment-là, se posaient la question de la formation professionnelle. Et moi, le cinéma était un vieux rêve et je me suis toujours dit qu'à un moment donné, j'irais vers ça. Et quand j'ai rencontré Christian et Marie-France, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de faire un film justement pour leur tournée en France. Moi, je m'étais déjà acheté une petite caméra et je leur ai dit, bah, écoutez, ça m'intéresse de faire votre film. Dans ce cas-là, j'ai une caméra. On a fait quelques essais et ils m'ont pris pendant un mois et demi. On a fait ce premier film de communication pour PSE en 2000. Voilà. Donc, je les connaissais en fait depuis un petit moment. Après, moi, j'ai monté une société de production. Je me suis lancé dans l'audiovisuel. Mais on s'est toujours suivis. Je les ai toujours, à chaque fois qu'ils venaient en France, j'allais les voir. Et en 2013, voilà, je me disais, mais cette histoire qui avait pris une ampleur dingue, il fallait vraiment la raconter. Voilà. Donc, je suis retourné les voir en leur disant, mais écoutez, moi, je voudrais vraiment faire un film pour le cinéma sur votre histoire. Est-ce que vous seriez d'accord? Ils m'ont dit oui. Et puis, c'est comme ça que je me suis lancé dans le projet. Je peux poser une question, Marc? Bien sûr. Est-ce que le film a circulé dans d'autres pays que la France et le Cambodge? Non, il n'a pas circulé ailleurs. C'est un regret que j'ai. Curieusement, le film n'a pas du tout tourné en festival. Je ne sais pas, ce n'est pas le genre de film que les festivals montrent, apparemment. Et donc, on l'a présenté à tous les festivals et très peu pris.
Donc, je suppose que c'est peut-être parce que aussi, ce sont deux Français à la tête de cette association. Donc, c'est un film qui est quand même marqué France, entre guillemets, et que peut-être que ça, du coup, ça, c'est difficile à percevoir. Mais non, le film a été essentiellement diffusé au Cambodge, en France, et puis il a circulé un petit peu en Belgique, en Suisse. Voilà. Mais en tout cas, en France, il a eu un beau succès. Ouais. Ah oui, c'est un grand succès. Hein. Ouais. Et est-ce qu'on peut peut-être dire s'il y a une projection en particulier qui reste marquante, qui a été plus importante qu'une autre? On a eu... alors, oui, il y a une projection au Cambodge, évidemment, qui, moi, m'a beaucoup touché. C'était la projection en avant-première qu'on a fait au théâtre Chaktouk à Phnom Penh, en présence du roi et de la reine. Ah ouais, carrément. La salle, oui, parce qu'ils connaissent très bien le projet de PSE et le palais royal soutient chaque année l'association. Et voilà, et donc du coup on a fait une très très belle projection avec leur présence, avec le roi et sa mère et la reine mère. Et la reine mère m'a longtemps parlé pour faire une projection, et c'était extrêmement touchant. Ouais, voilà. Et puis il y avait des élèves de PSE qui étaient là, des gens des autorités. Voilà. Et puis en France, je ne sais pas s'il y a une projection qui m'a marqué. Ça a été très... En fait, ce qui était très marquant en France, c'est que les gens se levaient à la fin des séances pour applaudir. Et ça, j'étais très, très surpris et étonné et évidemment touché de voir que les gens, dans pas mal de salles, applaudissaient en fin de séance. Voilà, ce qui est quand même relativement rare. On ne pourra pas avoir la réponse en direct, mais je suis sûr qu'il y a plein de lauréats qui se sont levés, chacun chez soi, pour applaudir. On a un peu d'entraînement pour les applaudissements, hélas, en ce moment, mais je crois que, en tout cas, s'ils ne l'ont pas fait, le cœur y était, et les témoignages qui continuent de pleuvoir en attestent, c'est certain. Scheinman se demande la jeunesse du titre. Comment est-ce que Les Pépites a été choisi? Alors oui, le titre, ça, c'est là aussi, on se dit, le titre peut paraître évident à la fin, mais il n'était pas du tout au début. On a mis beaucoup de temps, en fait, à trouver le titre. On avait beaucoup de titres, mais aucun a été très satisfaisant. Et du coup, j'étais très, très, très embêté. Voilà. Et finalement, on avait une collaboration avec Bonne Pioche, la société de production Bonne Pioche. Voilà, c'est Yves, le producteur de Bonne Pioche, qui a trouvé le titre. Xavier, il y a une micro-coupure. Ah, voilà, alors je reprends. Est-ce que là, je suis en... C'est bon ? Ouais, d'accord. Alors oui, je reprends. En fait, le titre, on n'avait pas le titre jusqu'à pratiquement la fin du montage. Voilà, et c'est Yves Darondeau, le producteur de Bonne Pioche. On est en coproduction avec la société Bonne Pioche, avec qui on a une très très belle collaboration, et qui m'a dit, écoute, moi j'ai un titre, c'est Les Pépites. Voilà. Et j'étais pas d'accord. Parce que en fait, dans l'histoire de PSE, il y a tout un vocabulaire aussi auquel j'étais habitué et tout, mais il n'y avait pas du tout Les Pépites, quoi. Ça sortait complètement du vocabulaire dont on entendait parler, qu'on utilisait pour raconter cette histoire. Et donc, je me suis dit, écoute, moi, Les Pépites, ça ne marche pas tellement. Voilà. Et il m'a dit, mais si, je te promets, je pense que réfléchis vraiment, parce qu'à mon avis, ça ferait un très bon titre pour ce film et ça a évidemment du sens, quoi. Voilà. Et au final, je me suis laissé convaincre. Et au final, j'en suis très, très heureux parce que c'est un très beau titre et il a un sens évidemment très profond pour le film. Beaucoup de questions autour des violences contre les enfants, y compris les violences sexuelles. Et Laurie se demande si le développement de l'école,
a permis au-delà une diminution des violences contre les enfants. Oui, il faut savoir que dans les années 90, quand Christian et Marie-France ont découvert cette décharge ignoble, il n'y avait pas d'état civil au Cambodge. Le Cambodge est un pays qui est sorti d'une crise absolument épouvantable, la période des Khmers rouges qui a duré de 1975 à 1979, où pendant ce temps-là, c'était un génocide, hein, il y a pratiquement eu 2 millions de morts, et le pays est retourné à l'âge de pierre, c'est-à-dire que toutes les institutions ont disparu, 90% des intellectuels ont été tués, 90% des artistes ont été tués, 90% des religieux ont été tués. Donc c'est un génocide qui est absolument assez unique dans l'histoire de l'humanité par sa violence et par sa barbarie. Et donc le pays en est sorti complètement exsangue. Et il a fallu des années et des années et des années pour pouvoir reprendre le film. Et en 1990, il n'y avait pas d'état civil au Cambodge. Pas d'état civil, ça veut dire quoi pour les enfants? Eh bien, ça veut dire que quand un enfant meurt ou qu'il est assassiné, il n'y a pas de trace. Voilà, donc on peut le faire en toute impunité. On peut violenter des enfants en toute impunité. Et ça, c'était quelque chose de terrible. Et il a fallu, dès que possible, sensibiliser les institutions nationales et internationales sur la question du droit, sur la question du droit de l'enfant. Et les associations comme le PSE étaient partenaires, en fait, évidemment, de cette construction au niveau des lois. Voilà. Donc, le PSE a collaboré avec le gouvernement, avec les différents ministères, avec la police, pour justement venir en aide à ces enfants et surtout les sécuriser et leur donner un droit. Voilà. Il y a un lauréat qui écrit que ce documentaire, il le reverra avec ses enfants pour mieux illustrer la notion d'engagement. Ce n'est peut-être pas un lauréat d'ailleurs, c'est peut-être un partenaire de l'Institut, je ne sais pas. Est-ce que les bénéfices des ventes des DVD sont reversés à PSE, demande Grâce. Oui, alors il faut savoir, dans l'industrie du cinéma, la vente de DVD aujourd'hui, ça ne représente pas forcément grand-chose. Donc, toute l'exploitation du film au Cambodge revient à PSE. Voilà, donc tous les droits en fait, du film au Cambodge revient à PSE. Mais cela dit, très honnêtement, ça ne représente pas forcément grand-chose. Même si c'était un grand succès en France, c'est un film qui s'est fait très difficilement, avec des financements qui ont été extrêmement difficiles à trouver. On a eu presque aucune subvention, en fait, pour faire ce film. Elles nous ont été toutes refusées. Donc, du coup, nous, on a emprunté beaucoup d'argent pour le faire, qu'on a dû rembourser. Et au final, il ne nous est pas resté grand-chose. Voilà. Mais en tout cas, par contre, pour PSE, ça a été un grand changement, puisque ça a apporté beaucoup de notoriété à l'association. C'est un film qu'ils utilisent aujourd'hui, qu'ils continuent de diffuser, évidemment, pour leur propre communication. Et puis, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que vous avez énormément de gens aujourd'hui qui viennent au Cambodge visiter PSE parce qu'ils ont vu des pépites. Voilà, donc ça leur a apporté certaines notoriétés. Et puis aussi, il est vrai que le film a suscité beaucoup de dons. Les gens se sont révélés très généreux après avoir vu le film. Donc il y a beaucoup de dons qui ont été attribués aussi à l'association de spectateurs. Cécile se demande si Christian a pu voir le film. Et d'autres lauréates et lauréats se demandent si l'école va pouvoir continuer d'exister après leur disparition. Alors, oui, Christian a vu le film, bien heureusement. C'était très important. Alors, on savait qu'il était malade, on savait que
C'était aussi une des raisons, parce qu'il était malade depuis quelques années, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce film à ce moment-là. Parce que je savais qu'il ne fallait pas attendre pour le faire. Et que si on attendait, c'est une histoire qui allait pas partir aux oubliettes, mais on n'aurait pas ce témoignage-là. Voilà, donc du coup, c'était maintenant ou jamais. Et il se trouve qu'on a réussi à terminer le film, bien heureusement, avant que Christian aille mal, parce que le film était quand même terminé pratiquement un an avant sa sortie. Voilà, donc il l'a vu à un moment où il allait encore bien. Et d'ailleurs, je me souviens très très bien, la première projection que je leur ai faite, on était tous les trois dans leur petite chambre à PSE. Et on s'est pris tous les trois dans les bras à la fin du film, avec l'émotion que vous pouvez vous imaginer. Voilà, c'était un moment très, 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 très fort. Voilà, et la question, c'était... Ah oui, si l'école allait pouvoir effectivement perdurer. Alors, en fait, la question de la transmission, elle était évoquée, elle était réfléchie par Question et Marie-France depuis très longtemps. De toute façon, on savait qu'ils n'étaient pas éternels. Et puis surtout, c'était très important pour eux que l'association puisse être reprise par des Cambodgiens et qu'elle soit dirigée sur place, en majorité en tout cas, par des Cambodgiens. Donc la question du relais était mise en place depuis très longtemps. Et quand j'ai fait le film, Christian et Marie-France n'avaient pas... ils étaient là comme consultants. Mais ce n'était pas eux qui avaient, proprement dit, la direction de l'école. Voilà, ils étaient présents. Christian a monté une école de cinéma, qui est d'ailleurs la toute première école de cinéma au Cambodge. Elle a été montée par Christian au sein de PSE. Et donc, il s'occupait beaucoup de son école de cinéma. Marie-France, elle le fait toujours. Elle est très, très, elle s'occupe beaucoup, beaucoup des recrutements, c'est-à-dire qu'elle est très attentive. Elle travaille avec l'équipe sociale, très attentive au fait que la population qui soit accueillie au Cambodge corresponde bien à la charte de l'association. Mais après, toute la direction est transmise aux Cambodgiens en ce qui concerne le Cambodge. Voilà. Après, vous avez aussi une grande partie de l'association en France, puisque une grande partie des financements proviennent de France. Et là, vous avez... des relais français qui chaque année partent sur les routes pour trouver des financements en France avec un conseil d'administration qui fait attention à l'attribution des fonds et à la transparence de la gestion de l'association. Plusieurs lauréats, dont Mathieu, se demandent si l'école a essaimé dans d'autres villes du Cambodge et si ce type de projet a été reproduit ailleurs, et même des lauréats se demandent si ça a pu se reproduire dans d'autres pays du monde. Est-ce que tu sais ce qu'il en est, Xavier ? Oui, alors il y a des branches de PSE qui ont été montées à Siem Reap. Siem Reap qui est la ville à côté des temples d'Angkor. Les temples d'Angkor, c'est un centre, un lieu touristique qui est l'un des plus emblématiques du monde. Vous avez une certaine saison énorme. Et donc, il y a une unité de PSE qui sont là, avec des formations professionnelles, etc. Et puis, il y a aussi un centre à Siem Reap, dans le sud du pays. Après, ils ne se sont pas étendus à l'extérieur. Il y a eu des demandes qui leur avaient été faites pour s'engager, pour créer d'autres écoles dans des endroits comme aux Philippines, par exemple, où vous avez des décharges aussi énormes sur lesquelles travaillent les enfants. Mais ils avaient tellement à faire au Cambodge, ils étaient face à des situations par moments tellement compliquées, tellement violente et douloureuse qu'ils ne pouvaient pas émotionnellement et même ils n'avaient pas le temps de s'investir sur des projets. Ce qu'ils voulaient, eux, c'est se concentrer sur les enfants avec lesquels ils avaient un lien. Voilà. Et ça, c'était l'enfant Cambodge. Et Noéline demande simplement si elle pourrait faire un volontariat au Cambodge auprès de PSE. Oui. Alors, il faut aller sur le site de PSE. Vous avez toutes les coordonnées et chaque année, en fait, PSE accueille des volontaires qui viennent pour s'investir.
Ce sont des volontariats, ce n'est pas des volontariats courts, hein, ce sont des volontariats qui durent un an minimum, je crois, voire plusieurs années, puisqu'il faut prendre le temps en fait, de s'investir auprès de ces enfants-là. Donc, ils font des recrutements chaque année. Voilà, il faut avoir plus de 18 ans, je crois, et vous allez sur le site de PSE, vous tapez pour un sur les enfants sur Internet, et vous aurez toutes les informations. J'ai une question. On m'entend ? Oui, oui. Xavier, moi, je crois que ceux qui nous regardent en ce moment ont entre 18 et 25 ans, et j'avais assez envie, j'étais curieuse de savoir à quoi ressemble la vie d'un jeune Cambodgien de ces âges-là. Est-ce qu'ils travaillent ? Est-ce qu'ils sont étudiants ? Et toi qui vis dans le pays qui est en ce moment au Cambodge, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris du Cambodge, de la culture cambodgienne qui te sont utiles, qui sont instructives ? Est-ce que la notion même d'engagement, elle existe au Cambodge ? Est-ce qu'elle est la même que la nôtre ou pas ? Alors, sur la question de l'engagement, c'est une vraie question au Cambodge. Qui est lié à l'histoire que je vous ai racontée à propos des Khmers rouges. En fait, pendant des années, les gens ont lutté pour leur survie. Et en fait, les jeunes au Cambodge, ceux qui ont à peu près une quinzaine d'années, voire 18 ans, 20 ans, au Cambodge, leurs parents, ils ont à peu près mon âge. C'est-à-dire, moi, j'ai 49 ans. Et quand le régime rouge s'est arrêté. Moi, j'avais 9 ans, donc leurs parents avaient entre 10 ans et 15 ans. Et donc, du coup, après, ils ont vécu des horreurs, ils ont perdu une grande partie de leur famille, pour beaucoup. Donc, après, ils ont été pendant des années et des années dans la question de la survie, pas dans la question de la solidarité, dans la question de la survie. Quand vous êtes dans la survie, vous n'êtes pas dans la solidarité. Voilà, vous n'êtes pas dans l'engagement pour les autres. Vous êtes dans l'engagement pour vous et pour votre famille. Donc du coup, c'est une notion au Cambodge qui a mis du temps, en fait, à se mettre en place. Et elle est en train de se mettre en place, justement, avec la génération aujourd'hui des 15-20 ans. Il y a un changement énorme qu'on peut constater chez les jeunes, avec une vraie volonté de s'engager à la fois sur des questions humaines et à la fois sur des questions écologiques. Aussi, puisque le pays, comme beaucoup de pays en voie de développement, font face à des grosses problématiques écologiques. Et ça, les jeunes sont de plus en plus conscients là-dessus. Donc, vous avez maintenant des jeunes qui s'engagent, qui commencent à communiquer sur les réseaux sociaux, qui créent des associations, etc., pour s'engager sur ces thèmes-là. Et PSE, de leur côté, ils ont créé très rapidement un groupe d'anciens, à partir du moment où il y a des jeunes qui sont partis, pour justement, à travers ce groupe d'anciens qui avait reçu en fait une forme de solidarité, qui sortent de PSE en gardant en fait cette notion-là d'engagement à travers la solidarité vis-à-vis des plus pauvres. Et donc, du coup, cette association d'anciens élèves de PSE, ils se réunissent plusieurs fois par an, et ils font aussi une fois par an une grande fête. Et ils essayent de mobiliser justement les gens autour d'eux sur la question de la solidarité et même pour devenir parrain, parce qu'il n'y a pas que des Français, il y a aussi des Cambodgiens et de plus en plus en fait qui deviennent parrains aussi de l'association. Voilà. Donc il y a une grande évolution qui est en train de se faire de ce côté-là. Moi, je suis très, pour parler personnellement, je suis très admiratif de la jeunesse cambodgienne. C'est une jeunesse qui est pleine de vie. Qui a vraiment envie d'apprendre, de comprendre, de réfléchir sur les grandes questions de la société. Et vous sentez une vitalité qui est étonnante, quoi, qui est vraiment extrêmement touchante. Et ça me touche beaucoup. Après, ce que j'apprends du Cambodge, c'est... la vie au jour le jour, c'est-à-dire que dans la mentalité cambodgienne, on anticipe peu en fait les choses. On vit le jour d'aujourd'hui. Et par moments, nous Français qui vivons là-bas, qui avons monté des projets, etc.,
ça peut potentiellement nous agacer assez fortement. et on est obligé d'être philosophe. C'est-à-dire que si on aime ce pays, si on habite ce pays, c'est parce qu'on aime ce pays. Et dans ce cas-là, il faut qu'on accepte certaines choses inhérentes à cette culture-là. Mais on l'accepte parce qu'elle nous amène évidemment aussi quelque chose d'autre par rapport à nos sociétés européennes. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est apprendre en fait à vivre au jour le jour et apprendre à être. Il y a une certaine indolence en fait, dans la culture cambodgienne. On se dit oui, il y a un problème, on arrivera à le régler. Bon, on ne sait absolument pas comment, mais en fait, on arrivera à le régler. Voilà. Et ça, c'est vraiment une grande leçon. Je ne résiste pas, mais parce que Lucas l'a posté à plusieurs reprises. Lucas dit qu'il y a 4 ans, lorsqu'il a vu les pépites pour la première fois, ça a été une claque et l'origine de ses engagements, qu'il a créé une association qui s'occupe des quartiers prioritaires, ou de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, et il rêve de venir au Cambodge et de te rencontrer, et de regarder comment ça se passe au Cambodge. Donc Xavier, est-ce que tu es d'accord pour que je vous mette en relation après cet échange ? Bien sûr, bien sûr. Les rencontres au Cambodge, c'est un petit pays, le Cambodge, le Phnom Penh est une petite ville, une petite capitale qui grandit énormément, mais une petite capitale où les gens se rencontrent assez facilement. Donc ça sera avec un très grand plaisir, évidemment. Et puis moi, je suis évidemment très, très touché. Ben, quand on parle de finalement ce que c'est le cinéma, quand on voit que un film change la vie de, alors c'est pas le but des films. Hein, moi, je fais pas des films pour, j'ai pas cette prétention-là de changer la vie des gens en faisant des films. J'ai surtout envie de raconter des histoires qui me touchent. Voilà, c'est la première motivation. Mais derrière ça, moi, je suis évidemment bouleversé de voir que des gens, hop, bifurquent. Après avoir vu un film, parce qu'ils ressentent justement une charge émotionnelle assez forte qui leur donne la force, la puissance et l'audace en fait d'aller vers quelque chose d'autre. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui sont arrivées chez PSE et qui travaillent aujourd'hui chez PSE parce qu'ils ont vu des pépites. Et donc je les rencontre régulièrement et ils deviennent des amis. Et ça, c'est évidemment un retour sur investissement qui est certainement plus beau. Xavier, tu vis au Cambodge, tu vivais au Cambodge avant de te lancer dans cette aventure, et puis ton regard s'est tourné vers une autre région du monde, et tu as fait un nouveau travail sur un autre pays, sur une ville, sur la mère de cette ville, la mère de Raqqa. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Et puis, je crois que Rita va nous proposer une belle surprise. Alors, juste par rapport au fait de vivre au Cambodge, en fait, je ne vivais pas au Cambodge. J'ai vécu au Vietnam et au Cambodge dans les années 2000. Après, j'ai fait ma vie en France. Et ensuite, je suis retourné au Cambodge pour faire ce film. Mais j'habitais en France, en fait, quand je tournais ce film. Et ça fait partie aussi des hasards de la vie. C'est-à-dire que quand j'ai terminé mon film, j'ai ma femme qui est pédiatre et qui a été recrutée par l'Institut Pasteur et qui lui ont proposé un poste au Cambodge. Voilà, c'était assez inattendu. Donc je me suis retrouvé à retourner au Cambodge après avoir filmé les pépites. Mais finalement, c'est pas à cause des pépites, enfin en tout cas, pas officiellement, mais c'est pas à cause des pépites que j'habite au Cambodge. Et je me suis retrouvé en fait finalement à venir en famille avec ma femme et mes enfants habiter à Phnom Penh parce que j'ai suivi mon épouse, en fait, c'est tout. Et mais en étant, du coup, en connaissant le lieu et en étant extrêmement heureux d'y aller, et depuis, on y reste parce qu'on aime profondément ce pays. Mais effectivement, mon regard se porte aussi ailleurs parce que j'ai envie de continuer à raconter des histoires qui me touchent. Et donc, mon prochain film, effectivement, c'est sur l'histoire de cette femme absolument incroyable, extraordinaire, qui s'appelle Leïla Mustapha, qui a 31 ans aujourd'hui, et qui est la mère de Raqqa. Alors, Raqqa, pour ceux qui connaissent, c'est une ville au nord-est de la Syrie, donc on est
complètement dans un autre univers. Et Raqqa, vous en avez entendu parler pour un certain temps, puisque depuis 2011, depuis la révolution syrienne, les catastrophes se sont enchaînées en Syrie, jusqu'à la création de l'État islamique qui était partagé entre le nord-ouest de l'Irak puis le nord-est de la Syrie, où ils ont imposé leur barbarie dans ces régions-là, et ils ont décrété que Raqqa était la capitale de l'État islamique. Voilà, avec tout ce que ça comporte. Raqqa était une ville qui vivait tout à fait paisiblement avant, et elle s'est retrouvée sous le joug de l'État islamique en vivant absolument l'horreur, c'est-à-dire des exécutions publiques, que ce qu'on sait sur l'État islamique, la condition de la femme qui était traitée comme des bêtes, et ils ont souffert comme ça pendant 4 ans. Et la coalition internationale s'est mobilisée pour libérer en fait ces villes, puisque nous-mêmes nous avons été impactés en fait par l'État islamique. Rappelez-vous des attentats de Paris qui ont eu lieu. Les attentats de Paris, les ordres des attentats de Paris venaient directement de Raqqa. Voilà. Donc après les attentats de Paris, la coalition nationale a décidé de libérer cette région-là et la ville. Et la ville a été massivement bombardée. Et vous avez 80% de la ville qui a été totalement détruite. Avec évidemment aussi tout ce que ça comporte en termes de morts. Et après ça, un conseil civil a été créé pour pouvoir espérer une nouvelle vie. Et ce conseil civil, 2 personnes ont été nommées à la tête de ce conseil civil, un arabe, un homme arabe, et une femme kurde. Voilà, alors c'est dominé la région par des Kurdes, et dans le système kurde, en fait, ils sont très attentifs à la question de la parité, et toutes les institutions sont dirigées à la fois par un homme et une femme. Et donc, cette jeune femme, Leila Mustafa, qui était originaire de Raqqa, s'est retrouvée à la tête de la ville à l'âge de 30 ans. Et c'est tout à fait surprenant, parce qu'on n'imagine pas, quand on a vu toutes ces images de guerre, toutes ces images d'actualité, quand on a déjà parlé d'État islamique, que, en fait, quelques temps après, cette ville, même ville puisse être dirigée par une femme. Voilà. Donc, j'ai suivi une autre femme, Marine Dottilly, qui est écrivain et qui a décidé d'aller écrire un livre sur elle. Et je trouvais ça tellement incroyable que je me suis mis dans ses valises pour partir avec elle et aller à la rencontre de cette femme. Voilà, on a tourné l'année dernière. La ville était encore très pas sûre du tout. On avait peu de temps pour prendre un peu d'informations, pour écrire le livre sur Leila Mustafa. Et donc, le film s'appelle 9 jours à Raqqa, puisque c'est une sorte de journal de bord sur ces 9 jours qui ont permis à Marine de rencontrer cette femme et d'écrire le livre. Je crois qu'on est presque prêt pour lancer le teaser du film. Rita, est-ce que tu confirmes? Et Isabelle, je crois que tu connais bien Marine Dottilly. Oui, Marine qui est journaliste, ça démarre? Ça peut démarrer. Ça démarre. Ça démarre. Raqqa, le bastion de l'organisation de l'État islamique. Le 29 juin 2014, ces djihadistes y annonçaient au monde entier le rétablissement du califat. The US-backed Syrian Democratic Forces, they say they will now launch a military campaign to liberate the de facto ISIS capital of Raqqa in northern Syria. Syria, ground zero in the war against ISIS. U.S.-backed forces in Syria are celebrating the defeat of ISIS in Raqqa. But as Holly Williams shows us, the city has a long road to recovery.
On a du mal avec la bande-annonce. Oui, il y a eu des problèmes dans la diffusion du teaser. Marc, je vais faire une petite suggestion pour remplacer ce teaser qui est vraiment très bien, mais qu'on n'a pas pu voir vraiment dans son intégralité. Je voudrais juste dire à ceux qui nous regardent qu'en attendant le film, il y a un très bon livre qui est sorti. Alors, je sais qu'il y a quelques libraires qui font ce qu'on appelle en bon français du click and collect. Donc ça, c'est le portrait de cette femme maire de la ville de Rakhine. Et c'est écrit par Marine de Tilly, donc la journaliste qu'on a à peine entreaperçue dans le teaser. Et c'est donc le sujet du film de Xavier Dolezal. C'est publié chez Stock et ça vaut vraiment le coup. Ça se lit d'une traite comme un thriller. Voilà, mais c'est que des histoires vraies et des histoires d'engagement très fortes. En tout cas, cette femme de 31 ans, kurde, est un bel exemple de femme engagée. On a perdu Xavier entre-temps ? Oui, voilà. Je suis revenu. Le teaser m'a léger. Alors, Marc, je ne t'entends plus et je n'entends plus personne. Je ne sais pas si le moment est venu de se dire au revoir. Oui, je pense que là, c'est un peu la connexion. Il n'y a plus rien. Alors, je ne sais pas qui entend qui, mais moi, je voudrais juste remercier vraiment Xavier Dolezal d'avoir tenu le débat et la conversation pendant près d'une heure en direct du Cambodge. Je sais que c'est bientôt la nuit maintenant chez toi. Et puis merci à toute l'équipe de l'Institut d'engagement et puis merci aussi à tous ceux qui nous ont prêté main forte et je pense notamment aux producteurs, aux coproducteurs Bonne Pioche, à Réseau Film. Et puis merci encore à Marc Germanang, à Claire de Mazoncourt, à Martin Hirsch et tous les gens qui nous ont regardés au sein de l'Institut d'engagement pour avoir organisé ce petit moment de partage d'émotions. Et puis je retiens surtout l'idée de l'indolence à la cambodgienne, c'est ça, la vitalité et l'indolence. Au revoir à Marc, je ne sais pas si tu veux ajouter peut-être un mot de conclusion. Alors, je voudrais juste te dire un tout petit mot de conclusion, mais d'abord, merci énormément, immense merci Xavier pour ce direct depuis le Cambodge. Merci beaucoup Isabelle d'avoir... Merci à vous. La passeuse, puisque tu as utilisé ce joli mot de passeur tout à l'heure, et de nous avoir permis aussi de rencontrer Xavier. Et merci beaucoup à Cinéma pour tous de nous faire partager ces beaux moments du cinéma et de permettre aux lauréates et aux lauréats de connaître très régulièrement pendant les universités l'engagement des films de fiction, des documentaires. Et de parler de cinéma et de discuter avec les femmes et les hommes qui font du cinéma et d'échanger autour des sujets et la façon dont on les traite. Au-delà, je voudrais bien sûr remercier toute l'équipe de l'Institut de l'engagement qui, pendant ces 3 jours, a travaillé de façon incroyable pour permettre dans des délais très serré, la création de cette première e-université de l'engagement, cette expérimentation. Et je crois que malgré quelques petites coupures, quand même, ça a été un succès et ça a permis, dans ce moment où on est tous confinés, isolés, de se retrouver, de partager, d'échanger. Et c'était évidemment un des objectifs les plus importants de cette expérimentation. Merci évidemment à toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits ou pas inscrits d'ailleurs pour suivre et partager ces moments, les conférences, les ateliers, la projection des pépites, cet échange avec les différentes conférencières, les différentes conférenciers et à l'instant avec toi Xavier, avec toi Isabelle. Merci aux anciennes lauréates et aux anciens lauréats qui se sont impliqués aussi pour permettre cette aventure. Merci à Martin Hirsch d'avoir
malgré le contexte et ses responsabilités dans la gestion des hôpitaux d'Île-de-France et à la PHP, d'avoir pris le temps de venir nous parler, nous expliquer comment casser les chaînes de contamination. Et puis, merci aussi aux partenaires de l'Institut qui permettent que tout ça fonctionne et existe. Comme d'habitude, après une université de l'engagement, on va adresser aux participants, aussi bien à ceux qui ont assisté qu'à ceux qui sont intervenus, un questionnaire d'évaluation. Vos retours, vos témoignages sont extrêmement précieux pour essayer de faire mieux. Merci d'avance de ce que vous allez pouvoir nous dire. Merci de votre indulgence pour les petits problèmes techniques. À toutes et à tous, prenez soin de vous, évidemment, dans cette période. Faites attention. Restez ensemble. Et j'entends bien ce que je dis. Je sais qu'on est beaucoup chacun chez soi, mais grâce aux nouvelles technologies, grâce au réseau, on est aussi ensemble. On l'a été beaucoup pendant ces quelques jours. Restons-le. Donnez de vos nouvelles. Donnez des nouvelles de vos difficultés. N'hésitez pas à nous dire quand ça ne va pas. Dites-nous aussi les bonnes nouvelles. Dites-nous vos engagements formidables et la façon dont vous venez dans cette situation, dans cette crise, à continuer à faire des choses magnifiques. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous.